D'échanges entre les représentants des comités de gestion de l'aire marine protégée de Joal et ceux de Saint-Louis, de Caillard et d'Abéné a été organisé dans le cadre du projet GP Sirène, gestion participative des sites et des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest, qui est un projet de l'UICN mis en œuvre dans le cadre du programme régional de gestion de la zone côtière et marine, PRCM. Le PRCM est une coalition de 4 ONG qui travaillent à une meilleure gestion de la zone marine et côtière de 7 pays. Le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Cap-Vert, la Mauritanie et la Sierra Leone. Ces ONG sont le WWF, l'UICN, la FIBA et Wetlands International. Les initiatives du PRCM sont financées par la DGIS, coopération néerlandaise, la MAVA, fondation privée, et l'AECID, coopération espagnole. Le PRCM est divisé en 3 composantes, pêche, gestion intégrée de la zone côtière et conservation. Le projet GP Sirène fait partie de la composante conservation parce qu'il encourage les communautés qui vivent dans et autour des aires marines protégées AMP à utiliser les ressources naturelles de manière durable. Alors que la politique de création des aires protégées dans les années 70 était d'exclure la population de ces zones, il est maintenant acquis que les communautés doivent faire partie du processus de création et de gestion des AMP afin d'en garantir la durabilité, mais aussi que les bénéfices générés par un meilleur usage soient mieux répartis au sein de la population et des parties prenantes. Les AMP, piliers des efforts de conservation de la biodiversité et laboratoire du développement durable, souffrent généralement de graves lacunes au niveau de leur gouvernance et de leur capacité à impliquer les usagers. La visite d'échange qui est présentée dans le cadre de ce reportage fait partie de cette stratégie de renforcement de la capacité des acteurs des AMP à prendre en considération les paramètres de la gouvernance partagée dans leurs actions et dans la planification de leurs activités. Les visites d'échange sont encouragées par le projet parce qu'elles permettent à des acteurs souvent issus de milieux similaires de se rencontrer. En effet, dans le cadre de cette visite, ce sont en majorité des pêcheurs sénégalais qui se sont rencontrés, ce qui a permis l'utilisation de la même langue, le Wolof, mais aussi de faire référence à une activité et à un milieu semblable. Les AMP sénégalaises ont été créées par décret présidentiel en 2004. Quoique l'initiative soit tout à fait louable, ces AMP ne bénéficient dans la plupart des cas que de peu de soutien de la part des institutions de tutelle pour les rendre opérationnelles. L'AMP de Joal est la plus avancée en termes de constitution du comité de gestion, de l'identification des parties prenantes et de la mise en place de la surveillance dans l'AMP grâce à l'activité inlassable et le bénévolat d'un petit groupe de personnes. Ces personnes s'activent afin de bénéficier d'une aire protégée dans laquelle les ressources halieutiques, mais aussi la biodiversité dans son ensemble, peuvent profiter de répit pour vivre et se reproduire. Les membres des AMP de Saint-Louis, de Caillard et d'Abéné ont fait le déplacement pour apprendre de l'expérience de Joal et appliquer quelques-unes des leçons apprises dans leur AMP à leur retour. En 2005, je suis allé à Bambung en 2005, avant la mise en place du comité de gestion de l'AMP de Joal. Mais si bien formation au Bambung Bobo, il faut jouer un très grand rôle sur la mise en place de l'AMP de Joal. Nous avons fait 4 ans après, je me suis dit, mais attention, nous, Bambung, nous avons fait un grand rôle si nous avons fait. Nous avons les erreurs que Bambung a fait, le processus de Bambung, nous avons fait. Pourquoi pas? Comme il y a des blocus au niveau des 3 autres AMP, nous avons fait. Pour nous andi len tagat len ba ñun fuñu jaaroon biñu dem Bambung parce que ñun dañu fa nekkon biñu biñu ba fañu jaaré ba xam xidna yoon bi
ñu tagat len ci lolu ñom tam dañu mëna déclencher wu par rapport ak situation bi ñu nek ñom. Donc c'est très important parce que daf leen di permettre buñu délé waté sen buñu délé waté sen base yi ñu mëna xam yoon bi ñuy jaar parce que dañu rérun ñu bolé nak visite de sang ak formation andi len won len ñu gis laal ba xamné li AMP la bo yaangi ni zone yaangi ni waxtaan ak parti prenante yi fi nek waxtaan ak population mom lér na AMP bu palpable la bu fonctionnel nga soglé nak wax fan nga jaar pour nga am lolu téréwul nak dëkk bu nek ak réalité am nekul ni fi nga jaar Joal rek fofu nga jaar Abéné nekul ni fi nga jaar Abéné rek fofu nga jaar Saint-Louis dëkk bu nek ak réalité am mais yaay xol nak ngay mëna diagnostiquer ce problème dëkk ba pour mëna xam fan ngay jaar fi mën nga fi nap ak gal mais ak loxo kessé wa li wa wala nga nap la nga soof fi mbay mbali may san mbali yiti exemple mbali yoy rek ñu fi mëna nap nga xamné pêche responsable mais à part ça aussi lepp dañ ko fi téré benen xétu nap bu né dañ ko fi téré amul fi la tourner amul yolal amul yërënde amul dara amul mbali tias amul dara. Bon, les éléments clés bi tax AMP bi Joal gëna taxaw moy c'est que dañu accès wu ñun bu baaxa baax sur la communication ak sensibilisation parce que AMP biñu leen créé en 2004 ñun entre 2004 ba 2006 dañu tok 2 ans ferme yo xamné préparation partenariale ñu nek def ay assemblée générale defar ay t-shirt pour les gens defar ay séance de lutte defar ofi ay animateur de rap. On a parlé dans les journaux, sur télé, presque lepp ci mbar yi ci pinch yi presque fep fuñu xalat ne rek ne fi war nañ fi mëna jaar pour def sensibilisation parce que riñ doon bañ moy démarrer AMP par sa go wax ak nit ñi il a fallu que ñu wax ak nit ñepp ku nekk génné sa idée ku nekk andi sa xalat ñu ñepp ñu and dafa nasando naccendo comme nima koy waxe toujours loolu mo wone gën nekk suñu clé de réussite ba nga xamne biñu wacc sur le terrain mettetu lon parce que fekk na ñepp yegg nañu ñepp xam nañu bu ñepp xamul tam à 100% mais au moins ñu bëré xam nañu né kat ñëriñ AMP lan la d'abord l'objectif de l'AMP ak ñëriñ AMP lan la avant ñuy dem sur le terrain donc li ñu gëna réussir lolu c'est la benen réussite bi am aussi moy am dañu am chance par rapport ak sur les 22 membres du comité de gestion bi presque am nañ ci 18 yo xamné ay autochtones lay yo xamné presque décision yu ñu jël yépp da fay day laal fañu nek. Et puis on a une plus grande réussite nak moy le choix des parties prenantes, c'est-à-dire les parties prenantes ont été tellement bien choisies ba nga xamné acteur bu nek di liguey ci pêche directement ou indirectement rek am nga fa représentant donc dafa bokkat ci cadre sensibilisation lolou mo gëna nek réussite Kelle Joal fi lima gis ci Joal modi manam ñi nga xamanteni ño wara yëngu ci AMP bi yeb boole lan len ci bolé nañ ci les acteurs directs manam ñi nga xamanteni ñoy jëfëndiko geejgi directement moy mooli di marayeur yi di ñi nga xamanteni ñoy soppali jëni gis na ni aussi bolé nañu ci ñi nga xamanteni ñoy ño yoré walu tourisme ta fofu la plupart ci AMP yi nga xamanteni ño nek ci Sénégal particulièrement bi nek ci Saint-Louis facteur bobu bien que partie prenante la mais ñun dañu ko xawona ignorer mu nek lo xamanteni luma neex la ci participation bi nga xamanteni dal ñepp ko xamanteni mu ngi jëfëndiko ci AMP bi soit directement soit indirectement yu dem non rek bo le nonu acteur yëpp loolu luma neex la ci Joal. Les 4 jours de la visite d'échange ont été l'occasion pour les représentants des différentes localités de réfléchir sur l'approche et la méthodologie pour une meilleure gestion de leurs activités. Afin de rectifier les erreurs commises dans le passé et pour répondre aux blocages rencontrés par les AMP de Saint-Louis, de Kayar et d'Abéné, les membres de l'AMP de Joal ont donné la priorité à la compréhension des thèmes majeurs de la gouvernance partagée dans le processus de mise en place des AMP. Compréhension de la cogestion, du rôle de l'État et des bailleurs de fonds dans l'appui technique et financier, importance et rôle de l'équipe de démarrage, identification et rôle des parties prenantes pour la création du comité de gestion, désignation des représentants du comité de gestion, création des statuts, du règlement intérieur du comité de gestion, organisation, fréquence et contenu des réunions du comité de gestion, technique pour obtenir un consensus dans la prise de décision, apprentissage par l'action, stratégie de communication sociale et
et de sensibilisation pour relayer les décisions du comité de gestion dans la population, mise en place du balisage et techniques de surveillance dans les AMP. Tous les participants ont ainsi pu reconnaître que le modèle de gouvernance partagée est la meilleure stratégie pour le bon fonctionnement des comités de gestion et pour une meilleure gestion des activités dans leurs AMP. Surveillance bi li tax mo gëna réussir tamit dañ ko def ñaari patch ba premier patch bi moy dañu demone surveiller ji mais dem buti surveillance ba c'était pour sensibiliser da ngay dem wax ak mol bi won ko ay preuve mu mbal ba paré té mu gis jëni sew yi nga ne ko may li waxtaan ak mom expliquanté ak mom ba mu comprendre nga déllu ci wat fo dem di surveiller aussi sans balise mettre les pêcheurs à l'épreuve ñun tam ñu nek mettre suñu bop à l'épreuve ñu discuter di waxtaan di trouver des solutions bi ñun ñep ñu mujjé trouver solution balise donc biñuy baliser fekk na affaire bi xaw na ra tax donc ba légui lolu da fay bokku ci jouer ci sensibilisation quant à bénévolat bi dafa bax ci AMP AMP buñu démarrer surveillance sans mu am bénévolat da ngay yaqku ci fo dem dañ nañ bénévolat bi dafa metti bénévolat bi du yoon mais kan moy bénévolat moy ñun pêcheur bi ñun ñoo mom ressource bi ñun ñoy défar suñu ressource kan mo ñuy fay xejna dinañ wut ay solution ay campement touristique pour mëna jappalé ñi dem surveillance mais il faut jamais ken tok di xalaat sa AMP né nañ ma fay pour ma nek membre AMP wala nañ ma fay pour ma nek surveillant c'est très dangereux parce que dinañ dina pousse nit ñi ñuy liggéey ngir xaaliss alors que suñu objectif dañu wara liggéey ngir suñu dom ngir suñu sét ëlëk lima jott jangatu ci atelier buñu def fi joal fi jangone premier bien que démarré ñu surveillance bi mais ci sen surveillance bi niñ ko stratégie ñu tek pour surveiller sen zone bi bobu jangat nak fi sa la ñu surveiller ci zone bi comme ñun démarré guñu surveillance bi té ñi ngi wut ay moyens pour baliser suñu AMP bi sa buñ ko baliser rek il faut ñu démarré surveillance bi kon man surveillance bi ñom méthode buñu surveiller fi lolu jangat nak fi bo dépendre trop ci ONG souvent da fay nek blocus ñun au niveau de Joal ñu ngi tok di xalat ké de pêche bu Joal day bénéficier sur les ressources usine fi nek dañuy bénéficier wu hôtel fi nek dañuy bénéficier wu donc bari na ay nit ño xamné ñun li ñuy def ñom ño ëpp li ñuy bénéficier wu sur ñun li ñuy def donc ñoo ñu laaj na ñu duggal seen loxo ci biir mbir mi ba nga xamné du jar ngay dem chaque fois di mbëk ONG bi nan ko defal ma nangam mais laaj na aussi yeen seen biir ngeen xalaat yeen fexé ngeen wara def pour mëna gëna jëriñu mais nak ONG aussi bu fekké dama jël responsabilité né man dama lay jappalé dama la wara jappalé ci sa xalaat laaj la sa xalaat bala ma lay jappalé ci mais duma teubeteub rek andi la andi ak ci sama xalaat man ñoo né la li lay def donc co gestion doto fa am té la ngay def du dem bo xolé tay Sénégal projet yu bari dañ fi am mais bënd ci sorti parce que laaj ñu xalaati population bi mais ay techniciens ñoy ñëw pour imposer nañu Parce que si on a dit que le président du Sénégal et il a créé un pays. Nous avons dit que le président a créé un pays, il a fait un pays. C'est ce que pour moi, c'est ce que je veux dire. Donc l'État doit impliquer directement dans la gestion de ces AMP. Bien qu'il y ait des agents assermentés qui sont de notre côté, qui appuient de notre côté. Ñu encadrer mais buñ né implication de l'état rek c'est côté matériel bi la ou côté financier parce que lolu moy ñu suñu problème parce que ONG ñi ngi suñu côté mais ONG xamna mom lu mu yagga nañ dem grâce à une meilleure maîtrise des paramètres de la gouvernance partagée dans les AMP
Confortés par la visite sur le terrain à Joual, les représentants de Kayar, de Saint-Louis et d'Abéné ont pu diagnostiquer les forces et faiblesses de leurs ANP. À Kayar, au niveau des forces, de nombreuses expériences de gestion des ressources ont déjà été menées. Il y a aussi une forte organisation locale et un appui technique important, État et ONG. Mais il n'y a toujours pas de comité de gestion de l'AMP, ni de règlement intérieur, ni de statut pour le comité. Les parties prenantes n'ont pas encore été intégrées dans le processus de création du comité de gestion et la zone n'est ni balisée ni surveillée. Les forces de Saint-Louis se situent dans l'existence de potentielles parties prenantes, dans l'appui technique du comité de gestion et dans le savoir empirique des populations locales. Les faiblesses sont dans le fait que le comité de gestion n'a pas pris en compte la diversité des parties prenantes, que la communication sur les activités de l'AMP est insuffisante auprès des différents acteurs et que le balisage et la surveillance n'ont pas encore été mis en place. À Abéné, enfin, il existe un comité de gestion structuré avec statut et règlement intérieur, représentatif des 5 villages de la zone et de nombreuses actions de sensibilisation ont été menées depuis 2008. Les faiblesses majeures se situent dans le manque de connaissances en matière de gestion des ressources et le manque de moyens pour la mise en place du balisage et de la surveillance. Pour continuer à renforcer la gouvernance partagée des AMP et poursuivre le travail, les responsables du projet GP Sirène et les acteurs vont planifier des activités dans les mois à venir. Pour nous développer, il faut nous faire une sortie. Nous sommes en train de nous développer. Lolu mënuñ ko développer moy ñu xalaat xalé sen santé bi éducation santé tout ça la xalé ñoomu na yëkëti affaire yoy la xalé mën na jangal do bayam parce que mom bu démé ci école bu jangé affaire environnement bi fofu bu ko jangé bu ñëw dina wax bay ah papa tay ñun jang nañ li ci environnement du gëna fa la wala jang nañ li ci AMP xalé bi bu magé nonu mom dina am ki bobu ci bopam kenn du ko meuna nax ci côté bobu té dina xam jëriñ bi voilà.